L'État hébreu salue le rapport de la commission d'enquête sur l'attaque d'une flottille humanitaire dans la bande de Gaza en mai dernier. Une commission israélienne composée de 6 membres, dont 2 observateurs internationaux, qui disculpent le raid meurtrier de Tsahal. Le Premier ministre israélien précise que le rapport montre clairement que le blocus de Gaza est légal et que la protection de ce blocus est donc également légale. Selon Benjamin Netanyahou, les soldats qui ont pris d'assaut le Marmara ont agi en état de légitime défense. Une version critiquée par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, estime qu'un texte écrit en Israël ne pouvait en aucun cas contredire l'État hébreu. Le 31 mai dernier, l'armée israélienne tuait 9 Turcs venus forcer le blocus, une violence qui avait alors soulevé l'indignation de la communauté internationale.